bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres: victimes du terrorisme, la RDC appelle la solidarité internationale pour lutter contre ces forces négatives dans l'est du pays. Appel lancé par le porte-parole du gouvernement au cours d'une conférence de presse aujourd'hui à Kinshasa. Ouverture ce jeudi des installations de Congo Tchèque sur fond de revendications des agents et cadres du ministère des Affaires foncières. Congo Tchèque est le nouveau partenaire du gouvernement dans la réalisation des titres immobiliers. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres, les détails à présent. C'est une rencontre inattendue et pour le moins surnaturelle. Le président de la République a reçu les membres de la Lucha cet après-midi à Goma, au Nord Kivu. C'est Joseph Kabila en personne qui a sollicité cet entretien, indique des sources autorisées. Au total, 47 jeunes ont échangé avec Joseph Kabila. Les discussions ont tourné autour des questions d'actualité. La délégation de Lucha en a profité pour évoquer les craintes et les revendications sur le processus électoral, l'insécurité à l'est de la RDC et bien entendu la libération de leurs camarades qui sont encore en prison. C'est la première fois que Joseph Kabila s'entretient avec ces jeunes de Lucha. Ce mouvement citoyen a aussi présenté au président de la République le prix ambassadeur de conscience 2016 d'Amnesty International à Goma. Pour rappel, la Lucha avait remporté ce prix avec la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, Yonamar du Sénégal et le ballet citoyen du Burkina Faso. Et puis le porte-parole du gouvernement était ce jeudi devant les professionnels des médias. Lambert Mende a évoqué la situation sécuritaire dans la ville de Beni quelques jours après les massacres d'une cinquantaine de personnes. Il a indiqué que 80 éléments ADF ont été capturés par les forces armées congolaises. Pour lutter contre les forces négatives, la RDC en appelle à la solidarité internationale, à l'instar d'autres pays victimes du terrorisme. Élisée Manfou et Doudou Kassou et ont pris part à cette conférence de presse pour le compte de Numérica Télévision. L'RDC fait face à une attaque terroriste. Pour les porte-parole du gouvernement, les résultats des enquêtes menées sur les lieux du crime à Beni indiquent que les 80 miliciens capturés sont de plusieurs nationalités. Il y a des Somaliens, Éthiopiens, Kenyans, Ougandais et Rwandais. Pour assurer la sécurité sur toute l'étendue de son territoire national, le gouvernement doit se doter des moyens nécessaires. Occasion pour Lambert Mende de solliciter l'aide de la communauté internationale pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés. La République démocratique du Congo, notre pays, est demandeur d'une solidarité internationale digne de ce nom. Une solidarité effective, non condescendante, et susceptible d'accroître ses propres capacités opérationnelles, ce qui n'est malheureusement pas le cas encore jusqu'à présent. Il n'est pas juste que le gouvernement congolais et ses forces de défense et de sécurité soient à cet égard obligés pratiquement de se contorsionner littéralement, d'utiliser de moyens militaires, de faire face à cette en dépit de nos partenaires de la MONUSCO, de l'appui de nos partenaires de la MONUSCO, qui est encore loin d'être à la hauteur d'un défi de cette ampleur. La levée de l'embargo sur les armes serait un signal fort à cet égard, qui marquerait la reconnaissance de la communauté internationale quant à la nécessité d'accorder à la République démocratique du Congo le même statut que les autres pays qui sont dans le collimateur de ce fléau du terrorisme international. Le porte-parole du gouvernement appelle également à l'unité nationale. Les attaques du week-end dernier attribuées aux ADF a fait 36 morts selon le gouvernement et 51 selon la société civile locale.
Autre point abordé, le dialogue national. Selon Lambert Mende, ce forum reste le seul schéma pour sortir la RDC de la crise politique, une rencontre qui vise la paix entre Congolais et qui devra épargner les pays contre des drames dont il est victime depuis plus de deux décennies. On écoute encore une fois le porte-parole du gouvernement au micro d'Élisée Manfou et Doudou Kassouba. Force est de constater qu'il existe une conspiration contre ce seul schéma rationnel de gestion de nos problèmes actuels. La situation, jusqu'à ce que les clans adverses, n'ayant pas su arrondir à temps les angles, puissent s'affronter dans un bain de sang que des forces politiques dépourvues de scrupules rêvent pour ramasser le pouvoir suprême dans les décombres du chaos ainsi occasionné. Endeuillé depuis près de deux décennies, notre peuple, à travers la quasi-totalité de ses composantes, a fait désormais le choix d'épargner à la nation de nouveaux épisodes macabres en souscrivant au dialogue politique national inclusif. Nous continuons à croire que tous les Congolais qui aiment réellement leur pays vont se rallier à cette solution idéale pour finir et prioriser l'intérêt supérieur de la nation qui rime avec le dialogue politique national inclusif, surtout après les bons offices aussi bien de la communauté internationale, de la société civile que de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Je vais terminer mon propos introductif de cette communication par une citation que je voudrais, au nom du gouvernement, dédié aux fétichistes des dates. Une citation tirée des enseignements de la sagesse africaine, telle que rappelée par le grand leader sud-africain Nelson Mandela, d'heureuse mémoire. Je le cite. « Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez, mais avancez. Avancez vers la paix, vers la concorde, sans lesquelles il n'y a point de développement possible. » En séjour à Bénin, le Premier ministre, à la tête d'une délégation gouvernementale, a présidé hier un conseil de défense. Augustin Matata Ponyo a par ailleurs eu des entretiens avec la coordination de la société civile et celle des députés provinciaux. Suivez plutôt ce reportage de la télévision nationale. Après la coordination de la société civile de Béni, c'est le tour de la société civile du Nord Kivu d'exprimer leurs préoccupations au Premier ministre, chef du gouvernement. Le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo et celui de la police nationale congolaise étaient associés à cette réunion. La société civile plaide pour la résolution de ce problème au niveau régional. La question, c'était de savoir qui sont les tueurs à Béni et quelles sont les stratégies que nous, en tant que société civile, nous pouvons proposer pour essayer de réduire au maximum les questions de massacre des populations civiles à Béni. Et nous y avons donné des réponses. Nous avons donné l'historique de ZADF. Il ne faut pas croire que la question de ZADF, c'est une question qui peut être résolue par une baguette magique. Il faut que l'on sache qui sont, ils viennent d'où. Et nous avons dit qu'il faut, première chose, multiplier les actions de diplomatie agissante avec les voisins, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes qui viennent de pays voisins, qui contribuent au massacre des populations par des actes de terrorisme. Et si les voisins croient que c'est une question des autres, donc de nous les Congolais, demain, ils seront concernés et donc c'est une question régionale qui doit être gérée avec le concours de tout le monde en sachant que la question du terrorisme, on ne peut pas seulement la gérer avec la République démocratique du Congo seule. D'ailleurs, il faut remercier le chef de l'État qui a permis que cette rencontre se fasse. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer, comment ça s'appelle, les conseils supérieur de la défense. C'est pas réservé à tout le monde et donc c'est une occasion qu'il ne fallait pas rater. Ça a été accueilli avec
effervescence par tout le monde, par les généraux et par le Premier ministre. Les députés provinciaux partagent le même avis et en appellent au respect des accords d'Addis. Nous avons demandé que l'accord d'Addis Abeba soit revisité et qu'elle soit mise en œuvre dans son intégralité pour éviter que demain et après-demain nous puissions revenir sur les mêmes questions. Nous avons insisté qu'il y ait contrôle régulier dans tous les services pour que justement le bouton noir puisse pas être parmi nous. Auparavant, le Conseil de défense s'est réuni autour du Premier ministre Matata Ponyomapon pour évaluer l'impact de la situation sécuritaire dans cette partie du Grand Nord du pays. Et les tueries de Béni n'ont pas laissé indifférente l'Église catholique romaine. Du Vatican, le pape François a haussé le ton. Le souverain pontife dénonce le silence qu'il qualifie de honteux de la communauté internationale face à cette barbarie. Et la conférence épiscopale nationale du Congo s'en fait l'écho. L'épiscopat sollicite l'implication de la MONUSCO et de la communauté internationale dans la recherche d'une solution durable au carnage à répétition dans l'est du pays. Et dans les rues de la capitale, l'opinion condamne à l'unanimité le récent massacre à Beni, des tueries perpétrées par des présumés rebelles ougandais. Les Kinois crient leur ras-le-bol et plaident pour des mesures conséquentes afin que de tels drames ne se reproduisent plus. Ils sont au micro de Yannick Mbuyamba et Serge Mitelesi. Nous sommes Congolais tous. Les gens de l'Est sont tentés de souffrir, ils sont tués chaque jour. Nous devons nous poser cette question, pourquoi ça? Ça vient d'où? Et nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas les services de renseignement, nous n'avons pas la police. Les gens qui viennent, ils entrent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils ne prennent pas aucune inquiétude. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous me parlez de l'histoire de la MONUSCO. La MONUSCO c'est quoi? Nous avons une armée nationale. Notre armée, ce n'est pas la MONUSCO. Nous avons une armée nationale. D'abord, l'effort de notre armée. Nous devons montrer que nous avons des gens capables de faire quelque chose sur ça. Les institutions de la République doivent agir dans le sens de sécuriser le peuple congolais. C'est ça, c'est pour cela que nous les avons élus. Et la communauté internationale n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a des institutions élues qui doivent sécuriser le peuple congolais. Nous ne sommes pas abandonnés parce que nous n'avons pas de gouvernement. Non, nous ne sommes pas comme la Somalie. La MONUSCO, telle qu'elle intervient en République démocratique du Congo, elle intervient initialement, en principe, avec l'autorisation et le consentement du gouvernement et des institutions de la République démocratique du Congo. Il va de soi que pour que celle-ci parte, il faudrait qu'un acte contraire à celui de départ puisse trouver un épilogue à travers une nouvelle résolution des Nations Unies qui devrait procéder à la, disons, au démantèlement de cette force de maintien de la paix qui a été transformée plus tard force de mission de consolidation de la paix, avec tous les mandats successifs qui ont fait évoluer la nature du mandat des Nations Unies. À Beni toujours, les activités ont repris timidement ce jeudi au lendemain des manifestations des jeunes qui protestaient hier mercredi contre les massacres. Au cours de ces manifestations, 3 personnes dont un policier ont été tuées et le maire de la ville a annoncé l'instauration d'un couvre-feu entre 20h et 6h ainsi que l'interdiction de toute manifestation publique pacifique soit-elle. Ce couvre-feu sera aussi couplé du blocage. Tout à fait autre chose, inauguration de Congo Tchèque sur fond de revendication des agents et cadres de ministère des Affaires foncières. Congo Tchèque est une société privée qui travaille en partenariat avec le gouvernement congolais dans le secteur foncier. Les fonctionnaires accusent cette entreprise de mauvaise gestion du processus de sécurisation des titres fonciers et immobiliers. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence du ministre des Affaires foncières. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information.
En culture, la ville de Kinshasa accueille la première édition du Festival national d'humour Toseka. Le festival aura lieu ce week-end au Théâtre de Verdure à Mongafula à 16h. Une vingtaine de comédiens et humoristes congolais connus du grand public forment l'affiche de cette édition baptisée 48 heures du rire à Kinshasa. L'entrée est payante, annonce faite ce jeudi par les organisateurs, notamment Wato Balabala, Michel Kerekere et Luc Humo pour le reportage. Au théâtre de Verdure, il y a déjà l'envie d'offrir le show. Le panel d'humoristes est prêt d'être sur les planches pour le bonheur du public. Heures du rire mettront en scène plus de 20 comédiens de Kinshasa, de Goma, des Lubumbashi et de 4 autres pays africains. Parrain du Festival national Toseka, le comédien Siatoula. Il est en français, en français. Voilà, comme on dit, c'est pas notre bouche. Mais on va faire parce qu'on a des comédiens de talent. On va faire tout cette fois-ci. On nous a donné la confiance. Donnez-nous la confiance aussi. On va demander ça. Les jeunes filles, les frères qui sont derrière moi, sont pleins de talent. Ils ont ça. Donc, moi, je pense que je peux apporter quelque chose dans cette édition. Cette première édition tire ses forces aux 3 éditions internationales des Toseka et d'une kyrielle d'actions qui sera posée dès l'ouverture du festival. Le billet est fixé à 5000 francs congolais en pré-vente jusqu'à vendredi midi. Que Toseka 48 heures du rire est une production de Wato Balabala que je dirige et de l'agence CMCT qui est dirigée bien sûr par le grand frère Jean-Claude Eyalé. Donc je demanderai au public congolais, aux amoureux de Toseka de venir très très nombreux. À partir du 20 à 16h, nous ouvrons les portes. Il y aura un grand barbecue et bien sûr à partir de 18h30, nous ouvrirons les portes de l'amphithéâtre de Verdure. Alors on demande au public qu'il fasse un effort, qu'il vienne. C'est un spectacle de qualité que nous leur promettons. Et comme toute chose de qualité, ça a un prix. Mais si ceux qui sont malins, ils veulent venir, ils vont payer à 5000 francs jusqu'à demain. Donc ils ont encore l'avantage de bénéficier d'un prix préférentiel jusqu'à demain à 5000 francs. La meilleure grimace photographiée sera récompensée. Il suffit de consulter la page Facebook officielle du Festival Toseka. 48 heures du rire fera découvrir les talents congolais, des comédiens connus ou à redécouvrir. Et s'il est une chose que tous ces humoristes ont en commun, c'est le baume de la bonne humeur. En sport, l'SV Club a repris les séances d'entraînement ce mercredi au stade Tata Raphaël. C'est en prévision des prochaines échéances sportives nationales et continentales. À cette occasion, le club a présenté son effectif pour la saison sportive 2016-2017. Une trentaine de joueurs au total, dont 10 anciens, 6 expatriés et 5 transfuges des équipes locales. L'ambiance était plutôt bon enfant, nous fait dire Paul Kazozo. Mercredi 17 août 2016, un jour ouvrable, ordinaire, mais le stade Tata Raphaël affiche plein comme un neuf par les moscovites. Un stade Tata Raphaël dans une ambiance de grands matchs. Pourtant, pas de grandes joutes de ce mercredi, sinon la présentation officielle de l'équipe des V-Club pour la saison sportive 2016-2017. Une saison voulue de conquêtes nationales et continentales. Tout président, même si tu devrais être à ma place, quand tu fais les recrutements, c'est pour jouer la coupe.
c'est pour gagner la coupe. Alors nous avons fait ça, c'est pour gagner la coupe l'année prochaine. Tu sais que nous étions disqualifiés injustement. Nous allons nous préparer à conséquence pour commencer l'année prochaine. Au total, 29 joueurs, anciens et nouveaux, entre les mains de Florent Ibengué. Sur les 29, 18 anciens, y compris Mabele Bawaka. Tessiko santé à bien pour déjà la tamboli na sel déjà m'amener sur au bakwa au salangai. Donc pour le moment ça déjà bien. Bon on continue bah soin du sou et souté. Donc on a tiqué dans moment où on a ça tiko on a minute on a ça en kiné. Donc ti bah fin août ah donc début septembre on a bande déjà bah entraînement normal. Dans les lots, de grosses prises dans la NAS républicaine, Yannick Bangala transfuge Idéric Lomotin Pembe. Maman bien, ils allaient bien. Et surtout, nous avons aidé avec le club dans ma poste Pembele, vous voyez bien. Nous avons aidé avec le club dans ma poste Pembele. Donc, si coach à Zunga, ils ont hasardé. Aïe, bien, pourquoi à Zunga? Dans cet effectif, sans compter 4 retours au Bercail, le club a aussi ratissé sur le continent, à l'instar d'Ernest Sugira du Rwanda, Daouda Diakité du Burkina Faso, Oumar Sidibé du Mali, Francisco Obama Ondo de la Guinée équatoriale, sans oublier Atouba du Cameroun. Sport toujours, cérémonie similaire au dernier club Otema Pembe. DCMP a établi son quartier général au Stade des Martyrs. Anciens joueurs et nouvelles recrues sont entre les mains d'Otis Ngoma en vue du formatage du club. Encore une fois, Paul Kazozo pour le reportage. Pour le début de cet entraînement, le Derek Lomotin Pembe a installé ses pénates dans la grande marmite béante du Stade des Martyrs. Un temple pris d'assaut par de nombreux Tupamaros sociaux du futur de ce club. C'est ici qu'Otis Ngoma va formater tous les joueurs dans son moule pour un DCMP New Look pour la saison sportive 2016-2017. L'année dernière, il y avait une carence énorme. On était en manque d'effectifs. Là, on a essayé de faire venir des garçons qui essaient de rentrer dans notre philosophie de jeu. Et surtout dans notre vision à long terme, c'est des garçons qui ont une certaine vivace, une rapidité d'exécution dans le jeu. Je vous dirais qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons des séances de travail avec les supporters. Nous avons déjà commencé le dessin dans les différentes sections pour sensibiliser les supporters. Et pour que les supporters soient venus d'une carte ou d'un ring, pour permettre ce qu'ils puissent bien filtrer. Parce qu'à certains moments, nous avons compris. Il y a eu des infiltrés aussi parmi nos supporters qui ont poussé nos supporters à l'incitation qui a fait que qu'il y ait tout ce que vous avez constaté l'année passée. Sans être africain, cette saison, les dérimènes nourrissent beaucoup d'espoir pour l'avenir. Toti Kamarama, désordre, sport est à toi victoire. Pour gagner, ni la défaite. Mais à tout royo, cette fois-ci, tombé dans la Coupe d'Afrique. Première des choses, par le bas qui est et l'avenir du Dering, sans oublier quelques anciens, c'est avec quelques pièces rares venues des clubs de Kinshasa. Représenté par l'FC Renaissance pour un joueur, MK avec trois joueurs, autant pour Shark, mais aussi des expatriés comme David Kasikiye du Rwanda, Tom Jean-Noël d'Ali Tripoli, du Brésilien Renan Augustin ou encore Diara Ismaelia du Mali. La vraie présentation des joueurs du Dering est fixée pour le samedi 20 août prochain. Mais en attendant, la guerre des étoiles s'annonce en tout cas très dure à la Ligue nationale de football. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutounou et commentés par Hermignon. Vos revues de presse. Washington redoute un scénario catastrophique. Les dépêches des Brazzaville expliquent
que l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs a attiré l'attention de l'opinion internationale sur les dangers que court la République démocratique du Congo en cas de non-respect de l'échéance du 20 décembre 2016 qui, constitutionnellement, est censée consacrer l'alternance démocratique. D'où il faut une solution négociée. C'est en vue, notent les potentiels, de prévenir le chaos. Massacre de Beni. Après le pape François, les évêques dénoncent. Dans un communiqué dont une copie a été réservée au Forum des As, la Conférence épiscopale nationale du Congo dénonce le silence de la communauté internationale. Les princes de l'Église catholique sollicitent l'implication de la MONUSCO et de la communauté internationale dans la recherche d'une solution durable au carnage à répétition à Beni. Des jeunes à Beni en colère contre Kinshasa. Selon le Phare, la colère des manifestants était telle que toutes les activités se sont trouvées paralysées. À en croire les sources du journal, les forces de l'ordre et de la police ont dû faire usage des gaz lacrymogènes et même tirer à balles réelles pour tenter de rétablir le calme. Un bilan provisoire faisait état d'un mort et de plusieurs blessés. Et alors que le deuil national est en cours, les ADF ont encore tué 3 personnes à Beni. L'observateur explique que cette nouvelle attaque attribuée aux présumés rebelles ougandais des ADF est enregistrée dans la nuit de mardi à mercredi à Maïmoya, une localité du territoire de Beni au nord Kivu. Et au-delà du massacre, un calcul politique pour arriver à un état d'urgence. Nombre d'analystes cités par le potentiel y voient une manière subtile pour le pouvoir en place d'arriver à un état d'urgence. Ce qui, selon les quotidiens, pourrait servir d'alibi à un report plus que jamais évident des élections en 2016. Justement, à propos des élections, la Référence Plus rapporte que Corneille Nangaa s'est dit satisfait du déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au nord Ubangi, contrairement aux rumeurs qui circulent. Merci Michel Kérékéré pour cette revue de presse. Et au programme ce soir sur Numérica Télévision à partir de 19h45, l'émission sportive Entretien de Dixon Yala, et à 20h10 le magazine Univers Sacré. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal et bonne suite au programme sur Numérica Télévision. Au revoir. Seigneur de